Bien sûr, bien sûr. On est une bonne équipe. Quoi qu'il arrive, les gens, quand ils vont jouer contre nous, ils seront déterminés. Maintenant, on a le chiffre, c'est de se qualifier et de gagner. Théo Messi. Théo Messi. Bravo les gars, bravo. J'ai réussi à rester concentré, l'équipe a réussi à rester concentrée, on a réussi à gagner ce match de 0 sans prendre de but. Ben, j'ai toujours été à Montpellier, en France, donc je suis arrivé à Montpellier à 13 ans, jusqu'à aujourd'hui. Fruit, il y a ma victoire chaque joueur. Tout ça, quand l'objectif c'est mon corps, boulot, d'accord. Chaque fois que je viens en sélection, c'est vraiment un honneur parce que tout l'amour qu'il me donne, je ne sais pas si j'ai déjà eu autant d'amour, même de ma femme, donc ça me fait vraiment plaisir. Olivier, on va se voir. Demi-dieu, il doit bien assurer derrière. Bravo. Bravo les gars. Bravo, je suis très fier de vous. Merci vraiment, merci. Bravo. Excellent, excellent. Ça va ? Toi t'es qui ? Ok, très bien arrivé. Ah, très bien arrivé. Ça va ? La dernière fois que tu as joué contre le PSG, c'est quand tu as gagné. Numéro 20, comme moi. Hein? Merci. Merci beaucoup, Moussa. Merci. Les enfants,
suis fier de vous. Bon, moi, quand j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Un peu plus, c'est-à-dire Wissa le 20 parce qu'il est numéro 20 comme moi et Théo Messi. Voilà, en tout cas merci à vous, merci, je suis très très fier de vous. Restons concentrés, ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue, la route est longue, donc restons concentrés. Vous avez un match dimanche, faites-nous honneur. C'est un terrain neutre, c'est Benghazi, ce n'est pas à Khartoum, c'est ça la chance que nous avons. Donc, restez concentrés et mettez-moi un ou deux buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars? Et vous n'avez pas d'excuses parce que vous avez le meilleur coach du monde. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci. Et on vous suivra dimanche. Hein. Presse. Papa, papa, papa. Papa, papa. Tu coaches, tu coaches. Moi, j'ai fait. Pâtir la caméra. Pâtir la caméra. Je pense qu'on fait un beau jeu. Ça part sur le côté et Théo arrive à bien me trouver. Et j'arrive face à face avec le gardien et j'ai plus qu'à la pousser. Donc là, je suis content d'avoir libéré nos têtes parce que c'est ça qui nous a fait du bien et une belle victoire aujourd'hui. Oui, oui, c'est très bien. Je pense que c'est très bien qu'on enchaîne rapidement. Je pense que tout le monde est content. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que les gens sont arrivés lundi soir. Donc pour que tout le monde soit dans la tête dedans, il fallait que tout le monde soit là mardi. Mais aujourd'hui, voilà, on a la tête focus sur dimanche et espérons une victoire. Bien sûr, bien sûr. On est une bonne équipe. Quoi qu'il arrive, les gens, quand ils vont jouer contre nous, ils seront déterminés. Maintenant, on a le chiffre, c'est de se qualifier et de gagner. 2-0 à la maison, donc je pense qu'on peut être très satisfait parce qu'on est sur une bonne période. Théo Messi, ça... qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cela? Ben, comme j'ai dit, moi, je ne me comparerai jamais à ce joueur parce que c'est... un des, si pas le meilleur joueur de la planète, mais ça fait juste plaisir que tout l'amour que les supporters me donnent, même quand je joue pas. Et donc voilà, je vais continuer à travailler pour donner encore le meilleur de moi-même. Et pour le match de dimanche, déjà, vous entamez la deuxième journée face au Soudan, avec les mêmes dispositions, avec la même stratégie? Ça, il faut parler au coach. Le coach est là pour ça. Donc moi, comme j'ai dit, si on me donne la chance, je vais donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup. Mais voilà, on commençait un peu à tergiverser, mais on n'a pas encaissé de but, je pense que c'est important. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de jouer mon jeu comme je sais le faire, et Dieu merci, aujourd'hui ça a payé, qui me donne. Je ne sais pas si j'ai déjà eu autant d'amour, même de ma femme, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ouais, ce qui était important, c'était de gagner. On s'est fixé des objectifs. Voilà, on a bien commencé notre campagne. On fera tout le match qu'on va jouer à domicile. Pour essayer de prendre les 3 points. Voilà, c'est ce qui était important, aujourd'hui. Jouer bien, ne pas jouer bien, c'est ce qui était important pour nous. Et le discours de notre entraîneur, c'était de gagner les 3 points. Oui, je sais que ça sera un match un peu difficile. Et on va aller les jouer dans un terrain neutre. Je pense qu'on va pousser à fond. Et voilà. Nous serons obligés encore de faire mieux et de récupérer encore les 3 points. Ça a été, c'était pas facile, mais on a bien géré et on a gagné le match. Voilà, l'équipe m'avait déjà, j'étais déjà habitué avec le groupe et tout ça, je m'entends bien. Et ça fait un petit moment maintenant que je suis ici et c'était plus facile de jouer parce que les joueurs m'avaient déjà vu et c'était plus facile de jouer comme ça parce que j'avais déjà des entraînements et un match amical avec eux. Mon rêve, c'est d'aller aux deux, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde.
j'aimerais bien aller. Et voilà, c'est un objectif, et je pense que c'est un objectif pour tout le monde. C'était un match difficile, c'était pas facile aujourd'hui. Le plus important, c'est d'avoir gagné. On commence la campagne avec 3 points. Maintenant, il faut continuer comme ça. On n'a pas pris de but, c'est très bien. On a marqué 2, donc c'est bien pour la suite. C'est un match difficile parce que c'est un match de coupe de monde. Mais on est content. On a gagné notre premier match. Mais on va rester humble. On continue à travailler. Parce qu'on a le deuxième match dimanche. J'ai dit merci à tous les peuples congolais. Merci à tous les présidents des clubs pour tous les soutiens de tous les peuples congolais. On a moyen notre moyen. On est content. On va profiter aujourd'hui. Profiter avec sagesse. On va rester à l'hôtel. On va rentrer dans le bain froid. On dort bien, on boit bien. L'eau pour préparer notre match dimanche. Tout ça, comme ça, l'autre ébi, tout travail. Et ça, Coupe du Monde. Nation, moi, il y a facile, et ça, t'es. Ma nation, il y a son. Et comme un match à ma casse. Mais tu remets encore des fonds, tu travailles, tu aussi un gars soutien à peuple congolais. Soit déjà ennemi, nous avons facilité à Bissot. Tout ça, un peu ça, soutien à Batouni aussi. Parce que Bissot, tout ça, c'est individu. Tu es le cas. Mais drapeau, il y a un bon cas, et éthique là. Tout ça, un peu ça, soutien à Batouni aussi, à peuple congolais aussi. Merci. Fruit à. Il y a ma victoire chaque joueur. Tout ça, quand l'objectif c'est mon corps. Boulot, Ndako. L'outil Moussala, vous avez Ndako permis, c'est très important. Pour la Moutounioso. Pour la Moutounioso développer. Pour la Moutounioso, la Moussala, nous sommes arrivés. C'est très important. La discipline. Pour yoke béni. Tout ça, quand même. Nous aussi, merci à mes collègues parce que nous avons été très fins, nous avons été très morts, nous avons été très bien. Nous avons été poussés à atteindre le niveau haut. Nous avons discipline haut. Nous avons été très merci à mes coachs qui ont apporté un plus dans la carrière. C'est que ça a été un peu de gêne. Il faut que papa et maman. Il faut se concentrer. Il faut saisir l'opportunité. Parce que nous avons une autre opportunité, il faut saisir pour le lobby, pour aider les familles, pour partager savoir et pas battre nous. Mais ma jeune nous avons bonne chance. Les lobes sont comme Bayaya, balais qu'il faut battre à Bissot. Parce que Bissot, tout ça, les gens ont Bayaya battre à tout ce qu'il y a bien. Il y a un Bissot qui est bien pour la jeunesse au Congolais. Il faut multiplier le robe fort. Il faut battre les Kamaï. Il faut battre les Kamaï. Il faut battre les Kamaï. Parce que Zamba Zaya battre à Bissot. C'était un match super compliqué. On n'a pas subi beaucoup d'occasions. Moi, j'ai rien eu à faire pendant la première mi-temps. Mais il fallait rester super concentré. C'est le genre de match pour un gardien de but, c'est très très compliqué, mais j'ai réussi à rester concentré, l'équipe a réussi à rester concentrée, on a réussi à gagner ce match 2-0 sans prendre de but. Ouais, ça fait toujours plaisir quand t'es gardien et que tu prends pas de but. On va continuer ainsi, on va continuer à travailler et à continuer à être solide derrière. De toute façon, si on prend pas de but, là déjà on va bien récupérer ce soir, on va bien récupérer demain, on va voyager. Et après on va se reconcentrer direct parce qu'on a... On a fait qu'une première marche, le chemin il est archi long jusqu'à la Coupe du Monde. Du coup on va prendre les matchs les uns après les autres et après la récup là on va se reconcentrer directement pour le... Bah franchement c'est une fierté incroyable. Quand j'ai été appelé la première fois en sélection déjà c'était une fierté incroyable. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'apprenne. J'ai beaucoup appris de Joël, on a beaucoup discuté, il m'a beaucoup aidé. Et le groupe m'a beaucoup aidé, il m'a bien intégré. Du coup c'est un peu comme une deuxième famille ici. C'est toujours plaisant de revenir en sélection et de représenter le pays. En plus, être titulaire, franchement, c'est une fierté incroyable. Du coup, je vais continuer à travailler pour pouvoir être au top et pour pouvoir aider l'équipe quand on fera appel à moi. Bah, c'est la passion. Moi, j'ai été élevé avec la culture congolaise depuis tout petit. Et jouer pour le pays de mes parents, franchement,
c'est un bonheur incroyable. Franchement, c'est une grande, grande fierté. Quand je vois, il y a mon grand-père qui est là au match, toute ma famille est là au match, franchement, ça fait extrêmement plaisir. La CAN, ce sera forcément une première pour moi, une première pour beaucoup d'entre nous. Mais d'abord, c'est les matchs de qualification. Le dernier match là contre le Soudan qui va compter. Et après, on va se préparer tranquillement pour la CAN. Mais c'est en faisant un bon match contre le Soudan qu'on se préparera bien pour la CAN. Bah, Dimitri, moi, je le connaissais déjà d'avant. On jouait souvent l'un contre l'autre, en club, en amical. C'est un super gardien, c'est un super gars. Et franchement, c'est bien qu'il nous ait rejoint parce qu'on a besoin de tout le monde pour le pays, pour la nation. On a besoin de tout le monde et tout le monde à 100%. Du coup, je suis content que Dimitri nous ait rejoint. Et la concurrence est très importante, surtout dans le poste de gardien de but. Du coup, c'est cool, ça me pousse toujours à être le plus performant possible. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Agréablement surpris, une très bonne ambiance. En plus, avec la victoire au bout, c'était énorme. Très bien, très bien. Tout le monde m'a très bien intégré. Je m'entends bien avec tout le monde, donc tout se passe bien. Bah, ça m'a motivé parce que, de un, c'était par rapport à ma maman, qui est fière de ça aussi. Et ensuite, je trouvais que c'était le bon moment pour moi et j'avais envie de venir ici. Exactement, ce sera une belle édition. On a une très bonne équipe, donc c'est que du positif. Ben, j'ai toujours été à Montpellier, en France. Donc je suis arrivé à Montpellier à 13 ans, jusqu'à aujourd'hui. On verra ça cet été. Pour l'instant, je me concentre avec Montpellier pour finir la saison, venir en sélection, donner le maximum, et voilà.